ننتقل الى البروجكت مانجمنت وكذلك اي تي يعني اي كوميرس الاخت نعيمه زروق من كندا وهي عضو في اداره اينس وكذلك شغاله از اي تي سينيور بروجكت مانجر ات ذا ناشونال بنك اوف كندا لها ام بي اي من جامعه شيربروك في كندا كذلك and بروجكت ماناجمنت بروفيشنال فروم بي ام اي كندا elle a un B.S. en in international formation afwane, formation technologie management, min min le. l'Université des sciences économiques min Jamia de l'Égypte. Faveur, Mme. Vous avez 12 minutes. Shukran. Salam alikoum. Uthayyil alikoum. Nous dans le cadre du aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion projet et les meilleures pratiques, donc les meilleures pratiques qui sont utilisées dans les grandes entreprises à l'étranger. Donc, euh, dans cette initiative, euh, on a deux grands objectifs, donc deux euh, objectifs principaux. Donc, le premier, c'est Tawariya, euh, ou le ma'rifa. Euh, donc, on veut conscientiser et, euh, et faire connaître l'importance de l'application, de la gestion de projets euh, et, et les meilleures pratiques euh, sur le terrain. Donc, et son importance sur l'économie algérienne. Le deuxième objectif, c'est de transférer les meilleures pratiques, toutes les méthodologies qui existent, qui sont utilisées dans les grandes et petites entreprises. Les pays occidentaux, le PMI, le ITIL, le COBIT, Agile, il y en a plusieurs. Donc, ce qu'on va faire dans, dans ce projet-là, c'est transférer quand les connaissances et travailler avec les autres pour, pour augmenter la, 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 les l'expertise et les connaissances. Alors, à euh, l'initiative, on a euh, des livrables. Donc, le projet, c'est quoi Donc, on, il faut qu'on fasse une étude sur le terrain euh, qui concerne la gestion de projet. Donc, euh, première chose à faire, c'est le Donc, on veut évaluer la situation actuelle en Algérie. On veut savoir comment est-ce que les projets se gèrent, euh, les rôles et responsabilités. Euh, est-ce qu'il y a des normes Est-ce qu'elles sont respectées Est-ce que les meilleures pratiques sont mises en place ou le deuxième livrable doit, sur lequel on doit travailler, Donc, il va falloir analyser et documenter à tous les niveaux tous les bloquants et les enjeux qui nous empêchent justement de mettre en place les meilleures pratiques sur le terrain et éventuellement les respecter. Parce qu'on a beau d'avoir des, des, des lois, mais s'ils sont pas respectés, sont, on ne sait pas comment les, les, les respecter, c'est un problème. Le troisième, le troisième livrable sur lequel on va travailler, c'est on va documenter quelles les meilleures pratiques qui existent à travers toutes les écoles, euh, à, travers, à travers le monde. Donc, Redu c'est les, les, euh, les dernières innovations et une dernière méthodologie qui sont utilisées. Et euh, en dernier lieu, qu'est-ce qu'on va faire On va faire, on va euh, Ça veut dire qu'on va, on va proposer une stratégie pour réenforcer la gestion de projet en Algérie, standardiser les meilleures pratiques. Et éventuellement, bien entendu, euh, on va travailler avec les universités, euh, les entreprises et les différents programmes euh, de formation euh, à, à toutes les échelles du pays. Euh, next slide please. Alors, le mouchkila. là, pourquoi la gestion de projet On a choisi la, la gestion de projet et euh, on parle de, de meilleures pratiques. C'est qu'on sait que depuis l'indépendance de l'Algérie, Yani, euh, le, on a dépensé énormément, des millions de dollars dans des projets, mais les résultats ne sont pas là. C'est-à-dire, le zaïr elle a un pays en voie de développement alors que euh, Kane des voisins, l'INA, euh, il y a d'autres pays, en moins de temps, avec moins de ressources, ils ont réussi à, à développer leur pays. Yannick alors qu'on a toutes les ressources nécessaires pour justement délivrer de des projets de façon euh, réussie et euh, avec le moins de coûts possible. Euh, par la suite qu'est-ce qu'on va faire on va faire la gap analysis donc l'analyse de foujet ça veut dire quoi c'est qu'il va falloir déterminer euh, tous les, les, les défis tous les défis qui a sur le terrain que les gens ou les gestionnaires de projet ou là les leaders euh, une, euh en, sur le terrain qui nous empêcheraient de, euh, de mettre en place les meilleures pratiques euh, alors ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va aller, essayer aller chercher les facteurs clés de succès qui ont été qui sont qui ont été identifiés et utilisés par euh, les pays développés et les grandes entreprises à l'étranger. Donc hada euh, ça va nous aider à rendre Yanni la euh, ta'na plus euh, plus euh, euh, plus réussi pour yani, pour permettre à, à, à l'économie algérienne de plus rapidement. Alors les opportunités donc on sait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le elle compte beaucoup sur les ressources naturelles, donc le, le gaz et le pétrole. Sauf que euh, le gaz Hadaya, le gaz, le pétrole, c'est pas assez. C'est-à-dire que c'est pas assez pour couvrir même les projets Donc, en mettant en place les meilleures pratiques à tous les niveaux et dans tous les secteurs, ça va vraiment aider euh, un, à livrer les projets dans les temps, avec le moins de coûts possible et éventuellement euh, faire avoir des retours sur investissement. Donc, chaque dollar qu'on va être investir dans les, euh, dans les projets, on va avoir un retour sur investissement, ce qui va aider énormément, énormément l'économie algérienne. Euh, next, please. Alors, c'est quoi les prochaines étapes Donc, euh, les prochaines étapes, comme, comme j'ai dit, y a il faut, faut la la situation actuelle, donc l'analyse, et ça va être à tous les niveaux. Donc, la, la gestion de projet, euh, elle touche euh, les, 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 la construction, elle touche l'informatique, elle touche l'agriculture, l'engineering, le health, euh, recherche et développement. Donc, on veut, euh, on veut, créer un sondage qui va, qui va toucher les individus, donc comme les citoyens, les, les entreprises et les universités. Donc, pour faire uh, head le sondage et avoir un résultat, euh, première chose à faire, faire c'est qu'elle a une équipe qualifiée de gestionnaire de projet ou de cadres qui ont travaillé et, et qui connaissent bien le terrain euh, en Algérie Donc, euh, et, et à l'étranger éventuellement. Et aussi, on a l'objectif de, euh, de, de former de nouveaux membres qui vont nous aider justement dans cette tâche-là. La deuxième chose à faire, c'est qu'on veut euh, travailler sur des pilotes. Donc, euh, les pilotes, à le, le sondage, il va, être, euh, sol, il va être envoyé à des euh, compagnies euh, ou à des universités, le secteur public et privé. Euh, parce que les deux sont quand même importants. Et comme j'ai dit, la gestion de projet couvre quand même la, plusieurs secteurs. Alors, euh, les, la, la première étape, donc on, va identifier, donc, on va identifier les entreprises et les universités dans le secteur privé et public avec qui on va travailler euh, ces sondages-là. Le deuxième point, c'est qu'il faut design the survey, donc il va falloir élaborer le, le, le sondage qui va avoir lien avec euh, la gestion de projet, donc les meilleures pratiques en gestion de projet. Et euh, après ça, il va falloir exécuter et euh, contrôler et faire le suivi de ce sondage-là. Une fois qu'on a les résultats, donc il va falloir les, 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 les analyser. À partir de là, on va voir les forces et les faiblesses qu'il y a. Euh, on va identifier quelques campagnes des universités. Donc, le pilote, on va mettre en place, c'est-à-dire, on va essayer d'implanter les meilleures pratiques, que ce soit université ou les entreprises. Et enfin, on va créer des packages et puis des modules de formation qui touchent, qui touchent, qui vont englober toutes les, les meilleures pratiques et on va faire des formations à travers le pays. Donc voilà l'objectif dans ce projet, dans cette initiative de project management. Maintenant, je vais, on va parler de, de la technologie, des technologies. Je vais vous parler du projet technologique. Next slide, step, please. Thank you. Donc maintenant, il y a un autre projet qui, qui, qui est projet typiquement technologie. Donc on va parler de commerce électronique. Donc c'est les paiements, donc le paiement électronique. Donc, hadl, hadia, anna, euh, le but euh, de cette initiative, a aussi deux objectifs. Donc, euh, de euh, faciliter la vie aux citoyens algériens et éventuellement les entreprises. Ou, deuxième, c'est booster l'économie algérienne. Alors, le, alors, comment on va faire ça C'est qu'en ayant un système bancaire et un, un, une infrastructure solide. Cette infrastructure et ce système bancaire va aider les citoyens, les entreprises, les institutions à, à vendre et, euh, et à, à acheter et payer des, des, des factures en ligne. Donc, euh, plus besoin de, de se déplacer pour payer, plus besoin de, de se déplacer pour payer ces factures ou là de, de, de faire des, des, des courses. Alors tout peut se faire de la maison avec votre téléphone ou là votre ordinateur et de n'importe où. Alors, dans cette initiative-là, on, euh, on a quatre livrables. Il y a quatre euh, livrables. minutes to go. Yes. OK. Euh, je suis Alors, euh, le, le premier, le premier livrable, c'est qu'il va falloir faire l'analyse de la situation actuelle en termes de euh, paiement électronique en Algérie. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de. Yani, il y a quand même des activités qui ont été commencées. Mais ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas, euh, pas assez. Yani, la, au jour d'aujourd'hui, ma. ma, zèle, ma c'est pas très reconnu. Le deuxième livrable, c'est l'analyse de la faisabilité. Donc, il faut qu'on s'assure que le, les ressources, il y a au niveau économique, social, technologique, légal, politique en Algérie, on est prêt à faire ça, à implanter de la solution. Le troisième, c'est l'analyse technique et non technique. Donc, il va falloir analyser, aller chercher les besoins pour implanter de la solution. Et en dernier, on va développer une stratégie pour mettre en place de la solution au niveau national. Next step, next slide, please. Alors, la problématique, c'est qu'on sait que l'Algérie a, a beaucoup euh, investi sur les projets, mais jamais dans les nouvelles technologies. Alors que tous les pays du monde euh, misent beaucoup sur les nouvelles technologies pour booster leur économie. Alors, je pense qu'il est temps pour l'Algérie de, euh, de faire, de même. Euh, le gap analysis, donc, euh, aujourd'hui, au jour pour implanter euh, la, la solution, il va falloir aller chercher les forces et les faiblesses, du le, le système bancaire actuel et l'infrastructure actuelle qui est mise en place en Algérie, qu'il va falloir euh, euh, définir. Les opportunités, enfin, le projet, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, euh, un, euh, l'expertise, c'est-à-dire les euh, meilleur parce qu'il va falloir qu'ils aient le même standard au niveau international. Il y a la création des nouveaux emplois, les start-up, il va falloir créer des nouvelles entreprises, des entreprises et euh, ça va permettre, à la solution HADIA va permettre à, à l'Algérie de, 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 de vraiment développer le, le commerce intérieur et extérieur. Next step, please. Euh, alors, en 2019, l'initiative a commencé en 10, 2019 avec euh, un, un groupe d'experts en, en technologie euh, aux États-Unis. Donc, on a euh, évalué cinq euh, éléments. La problématique en 2020, mais on n'est pas capable de faire des achats ou là, de payer nos factures ou là à travers Internet. Donc, il est temps de le faire. Pourquoi on ne peut pas le faire aujourd'hui Parce qu'il y a une problématique d'Internet, c'est-à-dire euh, Internet Access. Euh, donc, ça concerne euh, bon, la, la le débit, la sécurité, qui Donc, la solution, c'est quoi euh, Avoir une Internet fiable, qui fait, encore une fois, c'est avoir un système bancaire et un support TI. Ou à pourquoi est-ce qu'on veut faire ça Donc, on veut, euh, encore une fois, faciliter la vie à les citoyens et booster l'économie algérienne. Euh, next, please. Alors très très rapidement en trois niveaux. Donc, euh, le, le... qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui C'est que le, le, le système, qui est, un système qui doit supporter euh, la solution. Alors la première chose, c'est que est-ce que l'Algérien, est-ce que le, le, les Algériens sont, sont prêts à avoir cette à, cette à, cette, à, cette solution ce, cette solution-là dans leur vie quotidienne Donc il y a euh, un changement de mindset qui est quand même important. Donc à tous les niveaux, les Algériens soient prêts à, à, à implanter le, la, la solution. Le deuxième point, c'est il faut qu'il il faut qu'on qu se connecte au monde. Il y en est au niveau euh, euh, niveau euh, réseau informatique et en troisième lieu, la solution doit être installée à tous les niveaux. Donc que ce soit dans ou dans les entreprises, les wilaya, euh, au niveau national et surtout à l'international, étant donné que cette solution va supporter des millions de dollars de transactions. Euh, last slide, please. Alors très rapidement, je vous, je vous explique un peu euh, de façon technologique qu'est-ce qu'on a besoin. Donc la solution euh, plus informatique. Alors la première chose à faire, euh, qui m'a touché, c'est à la présentation. On a besoin d'une experte, et, une, de, une équipe experte en technologie de l'information. Alors différents euh, alors l'infrastructure, les applications, euh, la gestion des données, euh, les services, la sécurité, donc tout ce qui est cybersécurité. Éventuellement, il faut avoir une gouvernance parce qu'on a beau avoir un système informatique Développée, mais ça prend une gouvernance pour s'assurer que la solution est bien, euh, est, bien, est bien faite. Le deuxième point, qui est Tchoufou, on a besoin de faire un sondage auprès des citoyens. Euh, C'est des parties prenantes, donc les citoyens, les entreprises, les fournisseurs, les employés, les banques et le gouvernement. C'est des parties prenantes à cette solution. Il faut que chacun ait, euh, soit prêt justement à implanter Head, la solution. Et en troisième lieu, euh, en, en dernier, donc euh, après, euh, quand on fera un sondage, euh, on va analyser la situation actuelle. On va voir la situation désirée, où est-ce qu'on a envie d'y aller, évaluer les gap analysis et travailler sur l'analyse et l'architecture en termes de technologie. Euh, salam alaikum. و سوري a... لا 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 باس بارك الله فيك استاذه نعيمه شكرا يعطيك الصحه انت والفريق الان ناخذ خمس دقائق راحه جست ونرجع بعدها للحصه الثانيه ان شاء الله بارك الله فيكم سوي ويل جست تيك بريك فور اباوت 5 مينتس شكرا